On doit aller à Checkpoint qui est au nord, qui est à vol d'oiseau à 2,5 km d'ici. De facto, il est à plus de 6 ou 7 km en passant par la route. Ok? C'est une route en serpentin. Et c'est de la merde. Beaucoup de zigzags. Je connais pas trop le dénivelé. On a quand même une différence d'altitude de 1 km. Donc autant vous dire qu'à mon avis, la route elle doit être bien raide. Ah, les oreilles, les oreilles. Quoi qu'il en soit. On va respecter bien les distances de sécurité. On va monter la limitation de vitesse. On va la monter à 50 km à peu près. D'accord? Vous mettez 50 km. On maintient la distance 50 km heure. Et voilà. Si vous voulez être un petit peu plus près, pour essayer de faire un convoi un peu plus compact, vous pouvez. Mais faites attention. D'accord? Dans tous les cas, Auribou est dans l'avant-dernier véhicule. En tant que médecin, il est tout seul. Sait-on jamais ce qui pourrait advenir. Ok? Pas de questions? Même consigne, s'il se passe quoi que ce soit de grave, vous klaxonnez, etc. Vous arrêtez, descendez vos véhicules, mettez-vous à couvert, tirez, ripostez, blabla. On connaît la chanson. Ils m'ont clairement dit qu'au vu du temps de merde et qu'il n'y avait pas de support hélicoptère, on était sûr et certain de se faire attaquer. Donc, si vous avez écrit des. J'espère que vous avez écrit vos petits courriers. Étant donné que c'est notre premier déploiement dans la région, les mecs qui étaient avant nous, ils ont tous fini égorgés. Donc, ouais, ce que je voulais dire. Quoi? Des questions? C'était quoi la dernière info là? Des questions? Pas de Pas de questions? questions. Très bien. Je suis chef. Bon bah, camarades, à vos montures. Alors concernant le droit de retrait, ça se passe comment? Tourne beaucoup là même. Putain de route en serpente. C'est arrêté 5 secondes, on a pris un peu trop de distance avec la gamine. C'est le gros virage. C'est bien cru qu'on partait là. Je tombe. Ah non! Ça va aller. C'est bon. Ouais. C'était lui ou. J'en sais rien. C'était très léger, j'ai plus l'impression que c'était une grenade ou. Ouais, parce que c'était. Ouais. T'as couché avec ton. Non, oui, restez pas. Faites gaffe de pas tomber de la falaise, parce que nous on a glissé, on a failli se péter la gueule. Surveiller en haut, je reviens. Bon, on a explosé sur un.
Contact azimut 80. 70 80. 80. Ouais, ça me suffit à tirer dans lui, si je l'ai vu. Tuer quelques-uns. J'ai des départs de feu, j'ai je suis pas si. Comment? Il y en a encore qui court. J'ai eu. T'as les balles, enfin les feuilles, ils arrêtent les balles quoi. Ouais. On est bienvenu normalement. On a fait des parties de scénario, comment ça s'appelle, Vietnam sur des maps où des buissons étaient comme ça. Ouais. C'était ultra frustrant. Je crois qu'ils aient vous arrivé dessus dans le bol. On prendra le camion après quand on partira. Il est dans le buisson, on n'arrive pas à l'avoir. Il
descendre à droite. Ouais, ça c'est fait grenade à droite. Passe derrière toi. MG42. C'est bon la MG. Ouch. Non, tu les as vus au 50. Maintenant, ouais. C'est pas passé loin. Tout va bien. Va aller. Moi j'ai eu mal à la tête, mais je me suis pris un caillou sur la tête, j'ai perdu connaissance. Mais ça va bien. Putain, y'a un mec qui court là. En 70 là. Je vois pas quoi, c'est ce putain d'arbre. En l'état, on avance. Je me suis. Non ! Putain ! Je vois que Blackheart a sauté. Tu vas bien ? Tu l'as pas dans ton sac ? La carte, la vie, tu sais, elle mérite d'être vécue. Hein. Ah. Je peux peut-être réussir à remonter par le côté là-bas, mais. Ah, tu le savais, hein. Non. Au rebout. T'as super, je vais bientôt avoir crémé avec le chargeur. Oh, c'est pas vrai, hein. Déploie-toi si tu peux.
Ouah, je me prends des tirs, je vois même pas tout seul. C'est bon, vous avez touché. Deux à terre. Ouais, direct. Je vais essayer en avançant encore de sa frappe. Ça va? J'avais tué, il y avait un mec en bas, j'ai pas eu des tuyaux. Attends, droit. Putain, Tango, j'ai failli te. J'ai failli te voir, t'as vu où t'étais. Ouais, j'ai besoin de toi. Oui. J'avais entendu sauter. Mais juste avant d'avancer, pour être sûr que si la pipe en t'aura le temps, il faudra me recoudre. J'avance encore de 20 mètres, je suis sur le cul, c'est celui-là. Vas-y, je me mets déjà une mort. Ça a l'air bon, ça bouge plus. Je tourne en arrière. On va y aller. Par contre, la roue du camion ici, on l'a changé, les gars. Et sinon, tu surveilles au-dessus là, toujours. S'il te plaît. Ah, oh bah ça va alors. C'est que c'est normal. Devant. C'est vrai? Ouais, c'est sûr. Non, ça, c'est ça. Wow. Les rochers au fond. Pas précisément. C'est le rocher. Là où je pointe. Attends, comme ça. Regarde. Azimut 333 à peu près. Ah ouais, putain, t'es fort. Ah, de là. Et bah j'ai vu le mec qui était debout sur un rocher donc C'est pas juste un sniper. C'est pratique sur la map. Bah si je tire plusieurs balles je peux faire plus de sniper. Tu vas juste dire qu'on a spoté des ennemis potentiellement. Je remonte la colonne. Qui tiennent leur position pour l'instant. Viens voir la placarde s'il te plaît. Je suis le grand chef. Tu le vois encore le type ou pas? Si tu vas le voir. Il est là en fait. Je le vois pas vraiment. Il est pile dans les... entre les deux rochers. Bref, mais mets-toi là, déploie-toi ici. Là. Ise. Attends, hein. Je vais te dire. Là ici, tu vois là-bas le rocher? Le rocher, ouais. Ok. Tu vois, il y a une partie un peu à droite qui monte du rocher, non? Qui est un peu plus derrière, là. Ouais. Ouais. Sur le même rocher, hein. Genre là, ici, tu vois. Ouais. Et ben. En fait, il est dans la jointure entre le milieu du rocher et le haut du rocher. Essaye de tirer une petite rafale de 3, voir. Je te dirai où.
Ok. Ouais, 300 mètres, ça devrait aller. Non. Non, je vais monter à 500. Non, 300, si, essaye 300. 300, ok. C'est parti. Les traçants, t'en as ou pas? Non. Ah, super. On tente le coup. Il s'énerve, je Il a crois, non? bougé, ouais. Ma tante. Je remonte la mire. Sais pas où elle tape tes balles, c'est trop bizarre. Il me tire Ouais, dessus. mais par contre, il riposte. J'ai des traçantes à la fin de mon chargeur uniquement. Tu l'as eu? Et bah voilà! Bravo, t'es fort! Putain, je l'ai vu tomber comme une couille. Je sais pas s'il y en a d'autres. J'ai l'impression. Ça va, camarade? Bah oui, ça va. Je vais vérifier le versage des essieux. Bon, allez, on y va. On va repartir. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait d'autres, mais bon. L'idée c'est de le prix. Là c'est sûr, hein. Allez, on y va. Allez, camarade. On a dit. Prends avec ta manche. Avec ton t-shirt. Moi j'appelle pas ça. J'appelle ça rouler avec panache. Sur le rocher. Ouais, il tient sur le rocher. PTRD je crois. Tu as le mec en haut, c'est bon. Ouais. Et moi, il y avait quelqu'un, tu disais? Ouais, il y avait quelqu'un sur le rocher. Je crois qu'il avait un PTRD. Oui, bah, le camion il commence à marquer, il faudra l'arrêter. Le camion il fume, les gars. Sur un rocher, il y a rien à faire, il veut pas. Hein. Ouais, quand tu dois encore bouger, il y a de l'espace, moi. Bon, il faudra un réparateur pour notre camion. Allez, tous. Réparateur. On a deux normalement. La carte sur le
Quoi? Ok. Pas le temps d'arriver. Bah ils étaient en fait plusieurs. Ah non, il y en a encore un. Où ça? Ouais, sur le en haut. Par rapport à ce que tu vois, ouais. En haut un peu à côté du mec, derrière, à droite, à gauche. Ouais, derrière toi. Il bougeait un peu, puis il a arrêté de bouger. Je me déploie sur ton casque. Ok. Il a plus l'air de bouger. Oui, bon, supposé qu'il s'est fait canner. Ah, peut-être d'autres après. Bah, ouais, parce que là, il y en avait d'autres dessus, il y en a peut-être effectivement d'autres encore sur le rocher. À moins d'avoir 30 chargeurs, t'as la place. Attends, je vais me retrouver sans munitions après. Une fois que t'auras réparé celui-là, t'iras réparer bah, le tien du coup. Je crois qu'il est canné, il est un peu abîmé le tien. Au-dessus. Riposte. Elle s'arrête tout le temps, cette merde. A gauche. A gauche, en haut. Elle est par terre. Il y a encore du contact à l'avant de la colonne. Ah, il me tire dessus. Putain, de chier. Je remonte, c'est pas une bonne idée la pente. Ouais, c'est pour ça que je suis gâché là, calme. Ah, y a un mec qui me tire dessus en face, je le vois pas. Il... Ouais, effectivement. Dans le camion. Ouais. Y'a un. Touché, touché en dessous du camion et tiré pas. Putain. J'ai jeté une grenade. Combien de distance de vue, Nad? Et au minimum. Combien? Je suis à 500 mètres. Ah, c'est pas normal. On est légèrement. T'as un truc derrière qui doit tourner. Coupe ça. Coupe les fenêtres Steam et tout. Coupe les fenêtres Steam, machin, tout ce qui peut tourner. Proche de toi, Tango. Hein. Ouais. On les voit pas, on est un petit peu monté. Mais... Quelqu'un a pas une morphine que je puisse tirer sur quelque chose? Ouais. Je suis sur le camion peut-être. Comme ça je monte avec vous. Putain, juste devant, juste devant, juste devant. Encore blessé. Attends. Je vais pas se faire notamment.
C'est normal, j'ai mon garrot dessus. Mais bon, moi je m'en fous, tu peux laisser le garrot, il me faut juste une morphine que je puisse voir quelque chose. Bon, je l'ai gagné. Une morphine, je vais toujours se payer. Putain, t'as le torse qui est touché, t'arrêtes pas de bouger, arrête de bouger juste un instant. Mais oui, mais. Juste une morphine, moi c'est tout, après je continue à me battre. Mais oui, mais t'arrêtes pas de bouger de moi, je peux pas la mettre, c'est bon, tu l'as eu. T'as mis dans le bras où j'avais le garrot. Bonne question. Probablement. Bougez tellement qu'à la fin j'ai pris le premier truc que j'avais. Leur d'être à peu près calme, faites attention. Vous les avez tous traités en haut? Parce qu'en haut il y en avait encore. Bah oui, mais on en sait rien, ça on verra bien. Return to formation. One target dot, machine gunner. Ah non, ça peut pas être one. Ouais, non, ça peut pas être one. Et two. Ouais. Ouais. Désolé. Tu l'as envoyé. Oh, ça va. Bon, on va le shoot alors, éjection. Drogo! Oh, oh le mec de la mort! J'ai eu peur! En fait, ce qui m'inquiète, c'est les camions derrière. Non, c'est bon, ils ont rien eu. C'est bon, j'ai ça! T'es le mec qui est en. C'est dans le post-traumatique. Attends, 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 attends. Bonjour, camarade. De... Camarade, qu'est-ce que vous faites là? Ah, vous attendez? Ah bon? Ah, je croyais que vous voulez qu'on monte plus haut. Je vous écoute. Quels sont les ordres? Non, j'ai un RP, j'ai un problème. Ah bon? C'est quoi ça? Oh non, y'a un. Ah bon? On a l'air d'être presque arrivé au camp. Bah, je crois qu'on ira pas plus loin vu qu'il y a un BTR qui nous barre la route. Bon, Black Hawk tira avec. Attends. Mais il y a trop de monde maintenant. Je comprends bien. Par rapport au nombre de camions qu'on a. On a encore une place. Ouais, c'est ça. Hein? Pareil. Ouais, non, non, je sais bien, je sais bien. Non, non, bah je vais rester à. Black Hawk, tu viendras. Tire avec balle et horrible. Ok? Donc, tu seras, ça fera 3 en queue et puis 3 devant. Bon, on doit repartir. Donc, on va se retaper la route dans l'autre sens. On va garder la même vitesse. Parce que clairement, plus de vitesse, ce serait. À mon avis, fort hasardeux. On risque de se planter. Déjà, je pense qu'il va falloir souvent freiner. Donc, ouais, parce que là on peut en descente, on va bien rigoler. Voilà, donc mettez bien l'imitateur de vitesse, sinon ça va partir en sucette. Au niveau de la défense, sur la première montée, ça a été bien. Hein. On a pris pas trop cher, mais dans la situation où on était, on pouvait difficilement faire autrement. Mais c'était plutôt bien exécuté. Faites quand même attention à pas trop essayer d'aller au contact avec eux, parce que c'était un coup à se manger des grenades ou du genre. Ça sort de vécu. Dans l'ensemble, ça a été. Donc, faites attention. Et bah voilà, en espérant que tout se passe bien. Donc, chers camarades, à vos montures et puis en avant. Ouais. On est là, en train de se concentrer sur le trajet. Ouais, t'inquiète pas.
pas de soucis. Mais ça m'énerve parce que c'est la courbe qui est chiante. La courbe telle qu'elle est censée être, elle n'existe pas. C'est chiant. Soyez vigilants, regardez bien devant et sur les côtés. En fait, tout à l'heure, autant. Oui. Tout à l'heure, dans le poste, on a ravitaillé des membres de l'armée avienne, ils sont barrés et en fait, c'est eux là, ils veulent. Bonjour. Parler. Bonjour, camarade Abdan, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Travaille derrière vous. Comment ça, contrôle? Mais ils contrôlent mes couilles, hein. Je suis l'armée soviétique, t'as cru quoi? La République, ma personne est sacrée. Ah, toi, pas très bien entendu. Moi, je suis l'armée rouge, hein. Armée rouge, pas contrôle. Code du balai. Problème en règne. Kamalé Chargi. On m'entend pas là ? Je suis de l'armée rouge, monsieur. Pas de contrôle. Ils sont gonflés les mecs à nous demander un contrôle quoi. Allez voir sur le bord devant, il n'y a pas des mecs à gauche ou à droite, tu passes à droite. Reste à regarder derrière et sur les flancs pour que ça soit. Tout ça, toujours ça, il vous vaut, moi, la traite entre les peuples. Ouais. Je crois qu'ils ont refusé le socialisme. Il faudrait leur dire qu'on a fait une livraison de PQ, il n'y en a plus, hein, c'est pas la peine de réclamer. Ils ont voulu les avec RSTO. Ils ont pris pour un jour, ils disent tu peux t'approcher, je t'entends pas bien. Moi, pas bien entendre les problèmes de guerre, tout ça, je sais pas. Les couilles, hein. Donc on rebat et on remonte, hein. Bah il m'a dit ouais baisse ton armée tout, mais je vais emboîter tout seul. J'ai même cherché à comprendre. Allez on s'en va. Bon faites attention, du coup il y a peut-être des éléments de l'armée avienne, dans le doute soyez vigilants. Qu'est-ce qu'il nous voulait ces couillons? Ils ont essayé de nous braquer, c'est des mecs. Putain, on a failli se faire roule de par l'armée afghane. Non mais... Mais on est où là? Putain mais la blonde est ici ou quoi? Faut pas ça. Regarde un route dans l'eau, tu peux chercher si tu veux. Un funambule. calme-toi, c'est pas grave. Du la capteur, je crois. Descendez. En gauche. Ouais.
Là, DQ, vous montez avec Tango, vous allez sur la carte. J'ai juste le gros rocher pour l'instant. Ouais, je suis avec toi. Ici, 360, s'il vous plaît, faites attention sur les gardiens en bas. Ça va être à gauche du rocher normalement. Peut-être derrière. Bon, on va s'occuper de ça d'abord. Waouh! J'ai notre MJ42, Tango! Cours! Ouais, je passe avec toi, parce que sinon, je vais me faire tirer comme un lapin à gauche, je sens. Ok. J'ai que dalle. Ok, ici, je passe derrière le prochain rocher. Putain, ça claque. Ouais, ça claque. Tout le monde pas trop comme ça, c'est du coup. T'en ramasser, ça va? Ça tombe pas long. Y'a que dalle, je sais pas où est passé le mec. Alors je vais faire de l'appui-feu. C'est fou quoi. Ouais, je vais faire de l'appui-feu sur le prochain rocher. Ils sont volatilisés. Enfin, j'ai bien l'impression. Ils sont déjà arrêtés par le dessin parce qu'on a tellement posé. Regarde. Ouais. Non, c'est. Nous perd pas. Tu vois encore un truc. Oh putain, oh ils sont pleins en azimut 80. Oh putain. 300 mètres en haut de. Ah oui d'accord. Ah, il riposte. Bon. Ouf. Derrière nous. Mes épaules de cul. Ça passe à votre droite, Nad et Tango. Elle va remonter à droite. Vous avez utilisé la MG ou pas? J'ai pas trouvé encore. Elle est quelque part en face. Putain. Il y a encore un mec devant moi, le chargeur. Il y a 5 mètres, il est vraiment. Putain, génial, je stop médical. Oh putain, il y en a plein en bas sur la route. Ils vont vers le convoi. Il y en a d'autres, il y en a qui ont déjà avancé vers le convoi. T'as pas un bandage? J'ai pas trop cher. Y'en a un qui m'a retiré encore d'en balle. Je vois pas en plus, j'ai. Putain, vision brouillée là parce que je me suis pris une balle, un claque dans la tête. J'arrive au bout de mes chargeurs en plus. Il s'agit surtout de tirer un peu au hasard. C'est pas trop bien. Nad, tu surveilles derrière? Nad? Oui. Putain. Pédé. Il est où? En haut, c'est à peu près 4. On va descendre sur. Merde, j'ai plus de balles, y'en a devant moi. Merde, un des morts. En fait,
C'est vrai? Oh putain! Oui, il est mort! Je prends ses chargeurs! Attends, mais il a plein de sacs de course, ce salaud! Je vais pas prendre ses chargeurs, c'est quoi cette arnaque? Ouais non mais attends, c'est pas, c'est, on est malade. Vite, descends. On arrive, essaye de couvrir, je vais tirer par la route en bas, Kius. Je sais, je sais. Viens avec moi, Blacker. Putain. Je veux plus rien faire la gueule. Tu vas rentrer. Tu peux pas me faire un Tu peux me faire un bisou sur la tête ou pas? Non, je peux. Oui, vite fait, mais vraiment vite fait. Ah bah, parce que vite moi, je suis en train de mourir aussi. Ouais, bah oui. Attends, je te mets un garrot. Mais pas sur la tête. Non, fais gaffe, tu vas faire une bêtise là. C'est bon. C'est bon, je t'ai bandé. Ça va. Kius, ça va. Tu boites là? Ouais, ouais, non, mais je me suis mis un garrot parce que je pisse le sang. Ça va aller. Je le couvre comme je peux, t'es en train de boiter. T'as un 2 de merde. Bon, Kusovic. Kusovic. Les autres sont morts. Placard, viens et fais gaffe, tu vas tomber là. Mais non, ça va, je suis au bord, ça va. Ouais, non, mais je te connais. Non, mais ça va. Kusovic, je suis désolé, mais ton camarade il a trépassé. Non, encore une fois, vous pouvez arrêter de le tuer. Putain, nade. Je sais même, mais en fait, moi je sais très bien et j'en ai un peu honte. Un mec qui est passé devant nous. Et Blackheart il fait j'ai plus de balles et tout. Et moi je fais bah non. Bah oui, mais j'ai entendu à ce moment là je me suis retourné en fait pour Et en fait et bah le mec il a mis toutes les balles. Il t'a touché alors que t'étais derrière nous. Merci non. J'ai pris une balle hein. Je suis mort instant. Bah t'as pas gilet. Tenez vos positions comme ça, c'est très bien. Il y a pas mal de monde en haut. Au ribou. Non, je vous ai entendu gueuler. Ouais, j'ai plus de balles, machin. Je me retourne. Et au moment où je me retourne, le mec, je l'ai pas vu. Je l'ai même pas vu. Mais Era et moi, c'est tous les deux écartés. Je crois que la rafale est partie direct dans ta tête. Elle est passée entre nous deux, je crois. Bah écoute, c'est gentil, hein. Mais ouais. Écoute, merci, Nad. Non, mais franchement, Ah, vous avez tué tout le monde là. On a plus d'un qui sont arrivés. Il y en a également qui arrivaient des hauteurs. Ah ouais. Je viens d'en sécher un il y a quelques secondes donc. Les mecs que j'ai éclaté au RPG, rigolez moi. Era ? Il y a du monde. Où ça ? Y'a un mec qui revient en boitant là d'où on vient, c'est qui ? Ouais. Merde, mon plan. Ouf ! Au-dessus de toi ! Au-dessus de toi ! Il est mort. Qui est mort? Tango. Il est pas... Ah non, il est pas mort, il est juste en sang. Regarde les cadavres qui roulent, il y a du sang partout. Oui. Il veut pas mourir. Il veut pas mourir. Il est increvable ce mec, je crois qu'il était mort déjà tout à l'heure. Increvable. Attends, je vais le mettre à couvert. Tiens, soigne-le. Soigne-le d'abord lui. Les camions. Ça marche. Avec sa main sur la fesse. Hé, hey, j'étais pas mort. En plus, il est tombé de la falaise. Ah, Ball et Blackheart et Black Oak, vous êtes valides tous les trois? Oui. Ouais. Vous remontez la route, s'il vous plaît. Sur 100 mètres jusqu'au virage là-bas pour aller voir s'il n'y a pas des mecs au bout. Puis voir. Il y a des mecs au bout. Il y a un sniper quelque part. Oui, il s'est tiré tout à l'heure, il y a du temps à parler. C'est derrière vous. Attention au camion, ça vient de derrière vous les tirs.
peu dessus aussi. Ouais, moi je vérifie en bas. C'est bon en bas pour l'instant. Non, je vais rester à couvert vous parce que. Ah, y'a un mec en haut, mais. Non, je le cherche. T'auras à faire un stand-by en attendant que Bal le cherche. Bah, continuez si vous tire pas dessus, mais. Ouais, ok, bon, on y va alors. Bah, si, qu'il nous voit en plein dedans là. En bas, c'est toujours ok. Ça claque pas sur nous, c'est le principal. C'est ok de mon côté. Ouais, ok pour moi aussi. Ok. On va faire demi-tour alors. Essayer de gratter un ou deux chargeurs de calage tant qu'on est là. Avec des chargeurs de Kalash, m'étonnerais. Il est MP38. Je vois pas. Non, pas de Kalash. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bah, c'est bon, on peut remonter sur eux. Ouais, mais les copains, sont... les autres sont sous le feu, fais gaffe. Ouais, bah je vais mettre au rocher. Non, c'est un... Non. Et je le cherche. Je l'ai. Tu l'as? Ah oui putain. J'ai cliché. Ouais, clic. Mais elle a enrayé sa mère. T'as des oreilles. Oh, c'est bon, il est mort. Ah bon? Ouais. Bah elle l'a eu. Je lui ai mis une balle directe quoi. Effectivement, je l'avais pas vu, je le cherchais beaucoup plus haut la carte. Ah oh, le pourri. Je sais pas, moi je suis arrivé ici puis j'ai vu un... Ouais, celui qui descend là. Descend. Ouais. Il était à 400 mètres pour info. Ah, mais il était... Oh, il a s'éclaté contre le rocher. Il était juste au caillou là. Il était sur le caillou, il était debout dessus. Ouais, ça devait être de là où vous étiez, vous deviez pas le voir parce qu'il y a un arbre devant. Bon, allez, on sur va le caillou debout, pas tu là. Tout le monde est soigné. Ouais, enfin, moi je le cherchais vraiment à l'eau. On a attendu. Ouais, pareil. Quand tu cherchais au secteur, plus haut, et... le sauvetage du camarade. Tu pourras pas le sauver, on a pas de véhicule médicalisé. Bah, du médecin, c'est une scène. Il est où, Rimu là? Il est en train de recoller les morceaux de tango qu'on a pu retrouver. Ah, moi aussi j'en ai besoin.